pas vrai. Moon débloque complètement. On est dans un beau bordel. Moon. Laisse-moi. Cléo, tu ne devrais pas insister. Madame Prophétie, où allons-nous ? Nous devons trouver un coin tranquille pour réfléchir en sécurité. On peut parler de ce qui s'est passé ? Non. T'as complètement pété un câble ! Et maintenant, c'est tout le monde qui va en pâtir ! J'en ai rien à faire. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut comprendre ce qu'il arrive à Moon. Vous allez rester avec nous ? Oui, on sait qu'on peut compter sur vous quoi qu'il arrive. J'espère que vous avez raison. On devrait dans un premier temps espionner notre nouvel ennemi. On doit savoir à qui on a affaire. Mais on sait déjà à qui on a affaire. Nous, on les connaît. Ah, c'est des demi-dieux qui ont voulu se servir de nous durant la bataille démoniaque. Mais une fois qu'on leur a échappé, on les a plus jamais revus. Mais qu'est-ce que vous faites ? On prépare les groupes d'espionnage. Qu'est-ce que c'est que ce plan pourri ? Vous pensez vraiment que ça va aider ? T'as une meilleure idée, peut-être, Roi Moon ? Il faut attaquer le front maintenant ! Ne pas les laisser s'installer ! Ils sont plus nombreux que nous. Et puis on a marre de tout résoudre par la guerre et la mort. Alors, vous vivez dans un merveilleux petit monde d'arc-en-ciel. Le sang a déjà s'écoulé sur ces terres, Moon. T'es le premier à le dire. Incapable. Héros, Moon inquiète les autres. J'ai peur que la loyauté de certains soit trop fragile pour résister à ça. On va le raisonner. Ne vous en faites pas, Caveur. C'est ton mec. Fais quelque chose. Je suis pas sûre qu'elle puisse faire quoi que ce soit. Ça fait trop longtemps qu'elle est en chute libre. Peu m'importe. Je vais lui remettre les idées en place. Prophétie. Je ne suis pas sûre que lui hurler dessus arrange quelque chose. Tu sais ce que je dois faire, Fléau. Moon, on peut parler sérieusement sans que tu fasses l'enfant ? Prophétie, tu devrais me laisser tranquille. Tu vas beaucoup trop loin. Je sais que c'est dur pour toi depuis la fin de la guerre, mais c'est pas une raison pour s'en prendre à tout le monde. Tu fais peur aux autres. Je n'ai que faire des autres. Je leur ai déjà donné tout ce que j'avais. Mais bon sang, réveille-toi ! Tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Il fut un temps où tu étais courageux, déterminé, fougueux. Regarde-toi aujourd'hui, tu n'es plus rien. Je préfère n'être rien plutôt qu'une hypocrite colérique. Vraiment qu'une ordure. Le Moon dont je suis tombée amoureuse, c'est quelqu'un de bien. Légende, on y va. En résumé, ça s'est très mal passé. On peut dire ça. On s'inquiète pour Moon, mais on dirait que ça va pas fort toi non plus. C'est intimement lié. Je sais plus quoi faire. On trouvera une solution. Et toi ? Ça va avec Garcendre ? Pas top. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle est pas en grande forme. J'arrive juste pas à savoir ce qui se passe. Parfois, je me dis qu'on serait mieux célibataire. Oui, c'est bien vrai. Conclusion, on est tous épuisés d'avoir essayé de faire quelque chose tandis que tu critiques nos actions alors que t'as pas bougé ta croupe de la journée.
C'est complètement inutile. Tu pourrais essayer de nous aider. Et si vraiment tu persistes à dire que c'est sans intérêt, tu pourrais au moins être d'un soutien moral. Débrouillez-vous. Mais tu m'agaces à un point, Moon ! Reprends-toi ! On a tous subi la même chose, mais t'es le seul à tirer tout le monde vers le bas. À quoi ça sert d'avoir des pouvoirs si c'est pour cesser de le mettre au service des autres, hein ? Stop ! Je ne veux plus entendre une seule de vos jérémiades ! Voilà, bravo. À l'attaque! Quoi? Non, on veut pas se battre, arrêtez-vous! Je connaissais ces chevaux. Qui sais-je? Je ne pensais pas qu'ils nous attaqueraient. À quel point les ont-ils endoctrinés? C'est peut-être nous qui nous trompons. On devrait rentrer prévenir les autres.